Good morning, Aleïden, et ce soir aujourd'hui, Leiloui Nishmat, Avram Mordechai Ben Yitzhak Ben David Ben Fortuna Mazal Fritna, et Richard Ben Fortuna Mazal Fritna, et Deborah Batester, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah contactée de 5 minutes éternelles, nous étions Maseret Kodot, Perikud Aleph, Mishnah Hei. Shuma Dayanim, Shepichatou Shtout, aussi Fouchtout, Michran Batel. Amen Shimon Ben Gimel Omer, Michran Kayam, Imken Makouach Bet Din Yafé. אבל אם עשו איגרת ביקורת, אפילו מכרו שווה מנה ב-200, או שווה 200 במנה, מכרן קיים. On a parlé dans la Mishnah précédente qu'il y a des femmes qui doivent vendre en passant par le Bet Din, d'accord? Parce que, on avait notamment le cas des divorcés. Allez. Un homme qui divorce sa femme, après il n'est pas là pour lui payer sa ktouva, alors elle va au Bet Din, et le Bet Din va faire une saisie de ses biens, on va lui vendre ses biens quand il n'est pas là. Les Dayanim vont faire une choum à Dayanim, ils vont estimer un terrain, ils vont lui dire, écoute, toi, il te doit 200 000, on a évalué que ce terrain coûte 200 000, tu le prends, tu le vends, et quoi? Le problème, il est que chez Pichatou Shtout, aussi fou Shtout. Donc, choum à Dayanim, l'évaluation, l'estimation des Dayanim, du prix fait par les Dayanim, chez Pichatou Shtout, aussi fou Shtout, qu'ils ont diminué un sixième ou rajouté un sixième, en réalité, le champ, il coûtait jusqu'à un sixième, deux fois le sixième, c'est le quart, quoi. C'est le cinquième, d'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, c'est de 240, ils ont diminué, ils coûtaient 240, ils ont réduit à 200, ça fait un sixième, et ou encore, ils ont rajouté un sixième. Et bien, dans tous ces cas de figure, Michran Batel, leur vente est annulée. Ça nous renvoie un petit peu au halakhot de Ona'a. Ona'a, c'est le fait de rouler quelqu'un lorsqu'on lui vend quelque chose. Ça peut être l'acheteur, ça peut être le vendeur, qu'on vend un objet à plus qu'un sixième de son prix. Alors il y a ici une histoire de Ona'a, il y a des halakhot bien claires. Si c'est un sixième exactement du prix qu'il fallait, c'est fréquent avec. Malheureusement en Israël, c'était à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait des touristes qui arrivaient, on entendait qu'ils parlaient français, et du coup, tout le monde faisait augmenter les prix, les chauffeurs de taxi, comme les vendeurs de canettes à la macolette. D'accord? Et bien dans ce cas-là, si on rajoute un sixième, plus qu'un sixième, la vente est annulée. Vous allez voir le vendeur, vous reprenez votre argent directement. Et si toutefois c'est juste un sixième, alors l'alakha fixe comprend la vente, vous la gardez, vous récupérez le supplément. Il y a toutefois, il faut savoir que cette alakha est vraie pour les biens mobiliers, mais pas pour les biens immobiliers. Pour les biens immobiliers, même si on se trompe sur une évaluation beaucoup plus grande, jusqu'à la moitié du prix même, eh bien, la vente, elle est maintenue, parce que l'immobilier, il a un prix beaucoup plus aléatoire, il y a moins de prix fixe. En l'occurrence, cette Mishnah nous pose un certain problème, parce qu'elle nous dit que les Dayanim, les juges, ont fait une estimation erronée, de 1 sixième, et dans ce cas-là, on peut réclamer l'annulation de la vente. Or, dans les, s'ils ont fait une saisie de biens, on parle d'une saisie de biens immobiliers, dans les biens immobiliers, il n'y a pas de sixième, ça ne fonctionne pas selon le sixième en général, alors, on a jusqu'à la moitié du prix. Sur ça, ils expliquent, c'est rapporté ici dans le Tosot Yom Tov, ils expliquent que la raison pourquoi les prix dans l'immobilier, on a une marge beaucoup plus grande, c'est parce que les prix, comme on a dit, ils sont beaucoup plus aléatoires. Mais lorsqu'on se fonde sur une estimation une expertise de professionnels qui sont censés donner un prix, alors là, on ne permet pas l'erreur, et dans ce cas-là, une erreur de plus qu'un sixième, ça fait qu'on n'avait pas d'intention d'acheter, on considère que c'est... Ça donne un droit d'annuler entièrement la vente. D'accord? Ça, c'est pour l'avis de Tanakama, en tout cas. Qui nous dit donc, Shuma Dayanim, si les juges ont fait une estimation, ils sont trompés dans le sixième, on annule la vente. Raman Shimon Ben Gamliel en mer, Michran Kayam, Raman Shimon Ben Gamliel nous dit non, il faut maintenir la vente, parce que sinon, Imken Makouach Beddin a fait. Il faut. Parce qu'autrement, en quoi la force du Beddin, elle est forte? Il y a une halakha, que c'est important que ce que le Beddin, il a décidé, alors là, j'ai une marge de manœuvre. D'erreur parce qu'il faut imaginez que chaque fois c'est le problème de la démocratie un peu trop violente en ce moment, ça parle beaucoup en Israël et tout ça, mais être trop démocrate et trop commencer à discuter et à remettre en cause les décisions, ça fait qu'à la fin il n'y a plus du tout de justice, quoi. Tout ce que tu vas faire, on va le rediscuter. Le Badin, une fois que le Badin a tranché quelque chose, il faut lui laisser une marge de manœuvre, que même si c'est trompé, on revient plus dessus. D'accord? C'est la Zvara de Rabbi Raman Shimon Ben Gamliel qui nous dit donc que même s'il se trompe,
on ne rediscute plus avec le Bedin. Une fois qu'il a tranché, il a tranché. Jusqu'à une certaine marge qui est le double du prix. Maintenant, Aval Imasu. La Mishnah continue en me disant Aval Imasu Igeret Bikoret. Toutefois, ce qu'on a vu, c'était lorsqu'on fait une estimation classique pour un terrain. Mais si toutefois, ils ont fait une Igeret Bikoret. Une lettre de visite. C'est quoi cette histoire? On va expliquer deux secondes. Alors, la Mishnah vient me dire, ben, dans ce cas-là, Afilo Machushave Mané, même s'ils ont dû quelque chose qui valait 100 à 200, quelque chose qui valait 200 à 100, donc ils ont pompé jusqu'à la moitié, le double du prix, quoi, enfin la moitié, double, ça dépend de quel sens on prend. Et bien, dans ce cas-là, Michan Kayam, leur vente, elle est validée et agréée, cautionnée, quoi, même d'après Tanakama. C'est quoi les Guérin Bikeret? C'est qu'en fait, ils ont vendu un terrain, mais ils n'ont pas vendu de manière à ce qu'ils ont dit, va récupérer tel prix. Mais ils ont plutôt fait, ils ont diffusé, ils ont inviter tout le monde à venir voir et estimer d'eux-mêmes. Dans ce cas-là, puisqu'ils ont donné une force, d'accord, puisqu'ils ont donné une force que maintenant, on laisse tout le monde venir dans le champ et vérifier le prix, dans ce cas-là, si quelqu'un a quelque chose à dire sur le prix, que le prix n'est pas exact, eh ben, il n'est pas exact, il a qu'à le faire. C'est-à-dire, dans la mesure où on a fait un très grand pirsoum, on a beaucoup diffusé le prix de... le prix du terrain, et on a invité tout le monde à venir le voir, dans ce cas-là, l'erreur, il faut la camoufler l'agréer a posteriori beaucoup plus, de manière beaucoup plus large pour maintenir la force du bed-in, d'une part, sans compter qu'à part ça, si toutefois le vendeur, l'acheteur, il avait un problème, il avait qu'à se manifester, on a invité tout le monde à se manifester, personne ne s'est manifesté, donc on tolère beaucoup plus largement l'erreur, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov,